Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui t'arrive, Bruno? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Bah, dis-moi. C'est un peu gênant, mais il m'est arrivé un truc bizarre ce matin. Bruno, tu peux tout me dire, là, hein? Ouais. Mais bon, voilà, c'est... Ce matin, en fait, j'ai reçu un texto de mon fils. Papa, j'ai jamais osé te le dire, mais je suis homosexuel. Putain. Et alors? Alors, homosexuel. Sans H et avec deux M. Enfin, il a un alphabet. Bruno. Encore heureux qu'il t'ait écrit un texto, parce que t'imagines, s'il t'avait laissé un message vocal, t'aurais jamais su qui l'était. Oui, c'est vrai. Enfin, ça change rien. Il y a un alphabet, quoi. Enfin, il est nul en orthographe. Je suis fils de prof, moi. Mon grand-père, ma grand-mère étaient profs de français. Enfin, c'est essentiel pour moi. C'est inacceptable, tu comprends, qu'il soit analphabète. C'est inacceptable. Je le supporterai pas. Bruno, un analphabète, c'est quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Oui, exactement. Tu es d'accord ? Exactement. Ton fils t'a écrit un texto, donc il sait écrire. Ouais. Oui, ah bah oui, c'est vrai. Et pas d'alphabet. Non. Et moi, j'ai le mot. Et quoi, alors? Dysorthographique. Ton fils est dysorthographique. Oh, ben ça va, alors. Ah oui, ça va. Bon, écoute, on nous attend au Festival du film de comédie de Liège. On va peut-être y aller, on va enfin parler de choses sérieuses. Oui, t'as okay. raison. T'as raison. Merci, hein. Merci. Au revoir. Tu l'écris comment, toi, dysorthographique? Bah, comme ça se prononce. Tu me fais rire.